Bonjour et bienvenue, un peu plus de Lightkeeper. Nous allons faire Spotter. Donc il faut aller sur Streets of Tarkov, donc ça va être fun. Donc on a deux objets à placer. C'est pas trop compliqué, mais il faut pas se perdre. Mais il faut vraiment pas se perdre. Donc on va partir avec ça. Je suis en train de plus ou moins farmer des cultistes en ce moment. Donc du coup, mon équipement est un peu étrange. Mais voilà, bref, on va y aller avec ça, avec un gros sac. On est super super lourd, mais ça devrait aller. On a la classe, on y va. On a le Uzi Pro SMG, vraiment sympathique. On peut lui mettre un scope et tout ça, il a quasiment pas de recul et tout. Vraiment, vraiment, vraiment cool. Et on va y aller avant que ce soit 22h, parce que 22h, on doit aller pendant la nuit tuer des cultistes. Voilà. Il y a ça en ce moment comme événement, j'ai fait déjà quelques vidéos dessus. C'est sympa, mais c'est long, ça prend énormément de temps. Donc on a deux objets à placer. Donc on a un objet, c'est assez simple en fait. Il faut aller dans un appartement et tout ça. C'est, on va pas dire que c'est complètement safe, mais ça va. On va dire qu'il y a pire. Et après il y a un autre objet à placer. Par contre, il faut passer par plusieurs endroits et avant il faut aller récupérer une clé. Donc ça c'est un peu le problème. Ça c'est un peu le problème. Donc on va voir un peu comment ça se passe. Donc d'abord on va placer le silencieux. Ce qui est embêtant c'est que bah, l'objet en fait le plus, on va dire qui est le plus chiant à avoir, qui vaut le cher, donc c'est la thermique. La thermique on ne peut pas la mettre dans la pouch, le container sécurisé. Donc du coup ça c'est chiant et bien sûr cet objet c'est l'endroit le plus chiant en fait à le placer. Il faut la clé pour ouvrir un pont et tout ça. Enfin voilà, c'est compliqué. Donc ouais, évidemment l'objet le plus cher c'est le plus chiant à placer. Donc on va d'abord placer le plus facile, honnêtement. Ça devrait aller. J'y suis allé en scav et tout ça. Ça devrait aller. Je connais pas mal l'endroit aussi. C'est Concordia. Donc ça va. Il faudrait qu'on apparaisse en fait à côté du cinéma. Honnêtement, si on est au cinéma, c'est bingo. C'est bingo, honnêtement. Donc ouais. Donc j'ai ce gros sac aussi pour farmer les cultistes là, parce qu'ils ont quand même pas mal de trucs intéressants. Et la plupart du temps, je reste pas vraiment longtemps sur les cartes. Mais il fait genre 3 kilos le sac vide. Le sac vide, il fait déjà 3 kilos. Donc c'est un peu relou. Ah mais bon, c'est comme ça. Donc là, je suis un peu bloqué avec ça. En plus, j'ai pas trop de place en plus dans le stash pour le moment, parce que c'est un peu le bordel. J'arrête pas de faire des runs en fait d'affilée. Et puis après, en fait, tout s'additionne et il faut que je vende après. Enfin voilà. Ah mais sinon le Uzi est vachement sympa. Le Uzi est très très bien. J'avais pris l'Uzi qui tirait un peu plus lentement, genre 600 RPM. Honnêtement, c'est très 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 bas. Et la customisation en fait, elle n'est pas super intéressante. Alors que le Uzi qui tire extrêmement vite, la 1075 je crois RPM. Et il est top, il est top. Vous pouvez mettre un scope et tout dessus. C'est ce que j'ai fait. Il a une masse d'ergo, il a quasiment pas de recul. C'est top. Ah oui, j'ai pas de lumière dessus par contre. Alors, où est-ce qu'on est là? Putain, moi j'ai tellement de problèmes pour me repérer à chaque fois. Ah oui, la visière. Ah! Je crois que ça, c'est une extracte en face de moi. Ok, par contre. Okay, voilà. J'ai encore l'équipement de nuit en fait dessus, donc j'ai pas de lampe. Juste un laser. J'entends du bruit. T'es sérieux? On est d'accord que le mec il se décalait pendant qu'il me visait? Je crois que Nikita avait parlé de ça. Du fait que les IA en théorie ne voyaient pas à travers les murs. J'ai l'impression que c'est un mensonge. J'ai l'impression que c'est un petit mensonge. Mais bon, c'est pas grave.
On lui en veut pas. Alors attendez, ça je pense. Donc ça c'était une extract. On n'est pas vraiment. Ah merde. Ah putain. Blindé de scav. Me faut un endroit tranquille pour que je regarde la carte comme d'habitude. Hein. Je la connais pas super bien encore la carte. Il y a des scaves tout autour de nous. Il y a littéralement des scaves tout autour de nous. Alors, je pense que nous sommes à l'extraction Expo Checkpoint. Donc on est à l'opposé d'où je veux être. C'est top. Nickel. Terrible. Ah, mamma mia, quoi. On est complètement à l'opposé. Donc on va prendre la route principale. On va descendre le long de la route principale. Il faudrait... Tant qu'on y est, il faudrait qu'on aille dans le bar. Ils ont l'air excités, les scabs. Je me demande si c'est parce que... Il n'y aurait pas des PMC autour de nous. Je suis pas sûr. Faire ça. Bon, on sort. On sort. On va... Route principale. Après, on va devoir aller dans des petites rues pour trouver le bar où il y a une clé. J'ai mis de la paix dedans parce qu'elle fait 50 de dégâts. C'était pour tuer les cultistes. Les cultistes ont... 50 HP dans la tête. Il y a quelqu'un dedans. Ben putain. Non mais je suis nul hein. Il y a plein de scaves, c'est abusé. On va devoir partir d'ici. J'aimais la façon dont je tire avec l'Uzi. Des petites rafales comme ça qui ratent. Aïe aïe aïe. Allez, suivant. Il vient d'où lui? Je vais essayer de remax ce truc et après on se casse. Mais je crois qu'on va devoir se casser vite. Alors, on va se partir parce que... Ou un Onsuka. Ok. Je sais pas exactement par où on est là. La carte, il me faudrait une carte avec des images en fait. Je pense que l'ouverture qui est en face de nous, je crois qu'il faut la prendre. Je crois bien qu'il faut la prendre. Genre là, là, l'arche. Bonjour.
Non, mon dieu, t'avances, bordel. Ok, donc ça, c'est une extract de scav. Je me repère aux extracts, en fait. Ok, très bien. J'aurais dû prendre même plus de balles, honnêtement. Ok, on se repère aux extracts. Donc ça, c'est une extract de scav, c'est Basement Descent. Donc ça veut dire qu'on approche du pub. Du bar qu'on doit être. Le pub, il est à l'intérieur du... de la zone, en fait. Il n'est pas sur la route, genre la grande route extérieure, il est à l'intérieur. Donc ça, c'est une bonne chose, parce que nous, on est à l'intérieur aussi. Donc ce sont des petites rues et tout, ça devrait aller. On va prendre ça. Ok. Il y a quoi là? On s'en fout. Ok, donc il y a du scav évidemment. Il y a des fenêtres ou pas? Non, il n'y a pas. J'ai remis une FLIR sur mon sniper. Ça permet quand même de voir pas mal de choses. Donc nous, on va sortir. On va aller sur la droite. Puis sur la gauche. Putain, ils viennent d'où les tirs, bordel? Ils viennent d'en face. Ils viennent du Lexos peut-être. Non, mais ça serait loin le Lexos. Donc nous, on sort, on va à droite. Puis après on va à gauche et sur notre gauche on devrait avoir un pub. Ok, c'est parti. Toujours derrière des covers. Il y en a partout, bordel. Derrière et devant. Chier, est-ce que je peux passer par autre part? Techniquement, oui, mais c'est compliqué. Bon, chier. Plus là, je peux pas faire grand chose. Ah bah si. Je pense que ça touche. Ça arrive. Aïe aïe aïe, c'est la fête au scav ici. Je déteste map. Non, je l'aime bien en fait, mais elle est... Solo, elle est compliquée honnêtement. Faut avoir plein de chargeurs ou Romag non-stop. J'aime pas Romag en jeu. J'aime pas Romag en raid en fait. Ah, bien visé. Vous savez quoi? Une balle, ça tue dans la tête, il paraît. Mais je préfère tirer vite, comme ça je le touche même dans l'estomac, le torse et tout ça.
Et puis du coup, il me tire pas dessus. Ok, ça a l'air d'être ok. Où est le pub? C'est ça? C'est ça. Est-ce qu'il y a une porte à l'arrière aussi? Ok, c'est des toilettes, ça va. Ok, on cherche une clé. Ok, on devrait être tranquille. On cherche une clé. On a une cuisine. Et on peut passer par l'arrière, du coup, ça marche. Que je vais devoir regarder où elle peut apparaître pour gagner du temps, je vais être franc. Ah, Souka! Très bien. Alors, la clé. Alors, la clé, elle est sur le pub ici. Elle est là. Ah mon dieu, la porte. Je suis bloqué. Ok, c'est celle-là. Ok, cette clé, on peut pas la vendre, on peut pas l'acheter. Mais on peut la... Ah, on peut en garder. C'est bien ça. Ok. Donc ça, on peut la garder. Donc si jamais il nous arrive malheur, on aura déjà la clé. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ouais, on avance petit à petit. Ok, très bien. Notre armure, elle est bonne. Tout est bon. Tout est bon. Maintenant. Maintenant, on a fait ça. On a fait ça. Peut-être qu'on peut faire le Skybridge directement, à la limite, parce qu'on va devoir passer. Parce que nous, on est là. Nous, on est au pub, donc je suis passé une seconde, hein, je regarde la carte. J'essaierai de vous mettre la carte pendant que je la regarde, en fait, pour vous donner un peu une idée de la complexité du truc. On peut passer derrière, et après on va au Skybridge. Et après on va dans l'appartement. Ça peut... On peut faire ça, peut-être. On va voir. C'est pas très rassurant. Putain de buisson là. Je sais pas s'il est à travers ou pas, s'il est là. Eh oui. Mon dieu. Bon, on va peut-être pas passer par l'arrière. Je sais pas si on passe par l'arrière ou par l'avant, en fait. Ça m'embête.
Je crois qu'on a des snipers ici. Ouais, on a des snipers, je confirme. Ok. Ok. Je crois qu'on est en train de progresser. Alors, j'aurais pu passer par l'arrière, en fait, par ici, par cette porte-là. Ouais, par cette porte-là, en fait. Alors, il faut qu'on aille au Sky Bridge. Sky Bridge, je crois que c'est encore en haut. Ça doit être ça. Ok, c'est ça. Ça marche. Par contre, faudrait bien me taper les snipers. Je sais pas où ils sont. T'es en train de monter ou quoi? Ok. Oh, progression. Alors. Donc on est passé alors. Ok, recurse au center via Skybridge from Engine, appartement 10 en Transdoor can be bridge. Ok. On peut sortir par là normalement. Ok, très bien. Alors non, c'est où qu'on doit aller exactement? Ok, on doit mettre un truc dans le lit. On n'aurait pas du bridge. Ça fait une ouverture en fait pour l'escave. Ok, nickel. Yes, je crois que... Ah mais attends, c'est là où il y a les snipers, non? Je sais pas. Là, on est en train de placer la thermique, donc techniquement, l'objet le plus chiant à placer, je crois. Donc c'est pas mal. Et j'ai peur qu'il y ait les snipers. Je crois pas que les snipers soient en face du bâtiment. Qui est en face de nous, là. Je crois qu'il est plutôt sur le côté droit du bâtiment en face. Je crois bien, je suis pas sûr. Ok, bon, du coup, on fait le truc le plus difficile, en fait, au début. Donc, honnêtement, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Ok, nickel. Spotter updated. Updated. C'est bon. Ouais, je sais pas trop. Ok, très bien. Regardez ça. On a plus trop de... De balles. Alors maintenant, on a la partie la plus facile. Est-ce qu'on a le site de crash pour s'extraire? Si on a le site de crash, ce serait très très bien. Crash site, on a le crash site. Putain, nickel. Alors maintenant, il faut que je ressorte. Il faut que j'aille par la droite. Ah putain, il y a le Lexos qui est à côté.
On va essayer de passer derrière le Lexos au loin. Pas devant, pas dans la zone principale. Vous voyez, le usier est cool, hein. Le usier est vraiment cool. Très peu de... Ok, par là. Très peu de recul et tout, rapide. Ça marche. Oh mon dieu. Il y a un mec à droite. Il y en a plein! Oh mon dieu! Des putains de PMC, ça. On va peut-être pas passer par là, vu le nombre de personnes qui se baladent. Mon dieu, il y a juste un mec là, quoi, sérieux, sans déconner. C'est quoi, ils vont me faire passer devant le Lexus, hein? Chier. Ouais, ça c'est du BR, ça. C'est du BR. Les chier. Donc nous, si on est en face, il faut qu'on aille sur la droite. Je suis en train de réfléchir encore. Voilà, droite. Là, il y a des mitrailleuses. Là, il y a la mitrailleuse du Lexos. Ou alors on passe par la gauche. Et on la joue safe. Il va falloir se bouger les fesses, hein, par contre. On va vraiment se bouger les fesses. On va faire ça pour le problème de boisson. Donc je me soigne un peu. Il m'a touché partout. Ah, c'est parce que j'ai eu un saignement, c'est ça? Ouais, ça c'est des PMC qui combattent. Honnêtement, j'ai pas envie de sortir parce que j'ai l'impression qu'ils étaient deux. Il y avait plein de scaves. On en a eu un. Quelle merde. Aïe. Je crois que ma plaque a tanké. Un peu du souffle. Donc là, on est un peu de retour en arrière, en fait. Chemin est cool.
crois qu'on est proche du site de Crash. On peut aller là-bas ou pas? Non. Non, c'est par là. J'avoue que là... J'avoue que là, je suis un tout petit peu perdu. Ok, c'est l'arrière du Lexus. Ça va être fun. Lexus, est-ce qu'il y a des snipers? Ok. C'est pas mal, on se rapproche. On se rapproche du chemin où on doit être. Il nous reste 20 minutes. On est dans les temps. On est dans les temps. Donc Concordia. Donc on est dans le bâtiment Concordia. Sauf qu'on n'est pas à la bonne entrée. Je crois bien. Il faut... Quoique. Bâtiment 1. Je voudrais sortir pour voir si c'est le bâtiment 1. Oh merde, c'est des PMC qui arrivent. C'est bon. Trop bien ces trucs vitrés là. Je crois pas que ça soit là, mais j'essaye de regarder s'il y a du monde ou pas. Attendez, je me suis un peu perdu. En plus, je l'ai fait en scave, c'est pas très compliqué. Le mieux, c'est de sortir et de prendre les escaliers directement à droite, en fait. Ok, d'accord, on redescend. Faut faire gaffe, il y a potentiellement des PMC. Enfin, sûr et certain, même, j'ai envie de dire. Ouais. Eh ben... C'était minable. J'aurais pu prendre mon temps. Mais je l'ai vu, je me suis dit, tiens, je vais tenter. Mais en fait, j'aurais dû prendre mon temps comme un débile, je l'ai pas fait. Ça fait chier. Bon, après, on lui a mis quelques balles, donc à la limite. À la limite. Il devrait pas trop nous faire chier. J'ai
Mais c'est comme quand j'ai une arme automatique qui tire aussi vite, en fait, j'ai envie de juste de rafaler comme un con. J'avoue que des fois. Bah, en fait, c'est que c'est pas trop punitif, mais c'est que je vide mes balles, mais à une vitesse. Je crois qu'on a potentiellement le PMC qui vient. Non, c'est un scav. Je sais pas où il est allé le PMC. C'est pas celle-là. Hein. Là? Non, c'est pas là. Mais non, mais on n'est pas au bon bâtiment en fait. Le bâtiment, je crois qu'il est sur la gauche. PMC qui est mort ici. Ok. Bâtiment 8. Yes. Attends. Je crois que lui vient voir. On est complètement exposé à la fenêtre. Hein. Je me demande si le PMC qu'on a vu, qu'on a tiré dessus là rapidement, si c'est pas lui qui est dans les escaliers. Genre il s'est mis à couvert. Et il serait ou mort du saignement, ou un scav lui a tiré dessus. Parce qu'on lui a mis quand même quelques balles et je crois qu'il avait pas de sac, rien, il avait le gilet qu'on a vu. Ok, ça c'est pas un scav énervé normalement. Allez, 10 secondes. 10 secondes et on a fini. 10 secondes et après on se casse. Allez, c'est parti, vas-y. Ah, ok, let's go. Ok, c'est là d'où je viens, moi. Ouais. Ok, alors attendez. Ok, nickel. Très bien, il nous reste 14 minutes, c'est parfait. Donc on a l'extract qui est vraiment, vraiment pas loin. Il faut juste pas se tromper de chemin, en fait. Alors, on a normalement, nous, on a Crash Site. Donc Crash Site. Donc nous, on est où, nous? On est à l'intérieur du bâtiment. Donc il faudrait qu'on passe à l'extérieur. Donc je crois qu'on a une entrée, on a une arche. On peut passer là-dedans et quand on sera à la arche, il faut aller à droite. Mais on est bon. Je dirais que c'est lui. Hein. Ah, attends, je peux passer par là. Qu'est-ce que je l'aime, mon PMC qui est super augmenté avec tous les endurances, forces et tout ça. Oh mon dieu.
J'ai joué récemment avec le SCAV. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est? C'est jour et nuit, quoi. C'est jour et nuit. Ça, c'est tellement flagrant. Genre le loot et tout, ça va tellement plus vite. Quand vous avez tous les... toutes les compétences, en fait, très haut niveau, c'est vraiment jour et nuit. C'est super plaisant, en fait, de jouer avec un truc qui est augmenté, quoi. Moi, je sais pas comment ils font, les gens, de faire des wipes sans arrêt. Genre, vous recommencez avec, genre, 1 de force et tout. Ah, moi, je pourrais pas. Ça me rendrait fou, en fait. Et ben voilà, on a fini la quête. Yes! Une quête sur street. Les quêtes sur street sont compliquées, parce que vous avez vu, on peut pas trop rester à un seul emplacement. Il faut faire attention, parce que les scavs, en fait, n'arrêtent pas d'avancer. Et honnêtement, bah vous voyez, c'était bien des PMC qu'on a tués. Honnêtement, c'est chaud, parce que on n'est pas vraiment trop resté à des endroits, et on a essayé d'éviter les combats, et on a quand même tué 21 personnes. Donc vous imaginez, si vous êtes bloqué à un endroit et tout ça, vous n'arrêtez pas de... En fait, vous passer dans le côté où vous remaguez, vous remettez des balles dans votre chargeur, vous tirez, vous les utilisez, vous remettez des balles encore dans votre chargeur, et vous faites que ça, en fait, en boucle, et vous êtes complètement bloqué, quoi. C'est pour ça, il faut toujours avoir beaucoup de chargeurs, ou alors plusieurs armes, en fait, sur vous. Parce qu'à la limite, si j'avais mon Uzi qui était vide, je prenais mon RSAS, en fait, mon sniper, je peux l'utiliser au corps à corps et tout ça, et j'ai aussi un pistolet sur la hanche, au cas où. Ah, donc voilà, donc on a les options en fait si vraiment on est pressé par le temps et tout ça. Mais vous avez vu un peu comment ils nous surplombent et tout sur Street of Tarkov. C'est sympathique honnêtement ce gameplay, j'ai envie de dire. C'est cool, hein, mais ça peut être très stressant et surtout problématique en fait. Donc c'est sympa. Donc maintenant on est bon. Ouais, complète. Ouais, très bien. Et après, il fallait s'extraire en vie aussi. On va pouvoir crafter des microcontrôleurs. C'est sympa, mais bon, moi, comme d'habitude, vu qu'on est en jouant en local, enfin, vu qu'on est en local quand on parle à Peacekeeper, je vais pas pouvoir... Peacekeeper. Lightkeeper. On va pas pouvoir le faire. Ils n'ont pas toujours débloqué ça. Donc ouais. En ce moment, il y a un événement sur les cultistes. Donc, on est en train de farmer des cultistes. J'ai plein de couteaux maintenant. Les couteaux, ils sont devenus... C'est ridicule. Ah, quand même, 40K le couteau. Ouais. Je sais pas si des gens vraiment achètent ça. Ouais, par exemple, là, lui, il en a farmé plein. Moi, j'en ai plein. J'en ai plein des couteaux. On peut regarder là. J'en ai vraiment plein. Je les ai gardés, en fait, tous ceux que j'ai récupérés. Enfin, non, j'en ai déjà donné 8 pour une quête. Mais voilà, je farme pas mal de cultistes en ce moment. J'ai testé, pour ceux qui essayent de farmer les cultistes, j'ai testé alors pas la FLIR, mais j'ai testé la Zeus, je crois. Ouais, c'est la Zeus. Elle a un mode de vision, en fait, fusion et tout ça. Mais en fait, non, on les voit pas vraiment bien non plus. Donc honnêtement, il n'y a aucune thermique qui peut vraiment voir les cultistes. C'est vraiment compliqué de les combattre. Mais ouais. En tout cas, moi, je vais rajouter à cette petite vidéo sûrement la conversation avec Lightkeeper. Et ça nous fait déjà du coup une quête supplémentaire. Pour vous redire, on est à... Je vais juste regarder vite fait pendant que je vous tiens. N'oubliez pas d'aimer la vidéo aussi. Merci beaucoup. Et dites-moi si vous aimez bien ce genre de petites missions. Genre, on fait des missions en une vidéo. Bon, des fois, la vidéo, elle dure 40 minutes, etc. Mais bon, je sais qu'il y en a qui aiment bien m'écouter parler. Alors, on a encore une mission qui arrivera après celle-là. Ça sera de tuer des snipers. Honnêtement, c'est pas très intéressant. C'est tuer 10 snipers à plus de 350 mètres. Donc, du coup, je crois qu'il faut faire custom en boucle parce que custom, en fait, il y a un sniper en plein milieu de la map. Et je crois que la distance est dans les 400 mètres. Donc, du coup, voilà, il faudra faire ça en boucle. Il faut en tuer 10. Donc, honnêtement, je ferai pas de vidéo dessus, sûrement, parce que c'est pas intéressant. Et après, on aura Trouble in Big City. Il faudra faire quoi? Ah ouais, tuer 50 PMC. Ah, ça va être chaud. C'est sur Street en plus qu'il faut tuer des PMC? Ouais, on verra. On verra ça. Ça va être un peu étrange. Et après, on aura tué les boss 15 fois. Voilà, tuer quasiment tous les boss 15 fois. Il y a Reshala, il y a Glukkar, il y a Killa, Sturman, Sanitar et Tagila. Et je crois qu'on aura fini. Et après, ça sera genre donner 50 000 dollars à Peacekeeper et on pourra... Non, à Ragman, pardon. Et on pourra acheter du coup le vêtement que je veux. Donc voilà, le plus chiant en fait, ça va être, je pense, de tuer 50 PMC. Honnêtement, 50, 15 boss, enfin 15 fois chaque boss, c'est moins chiant, je pense, que tuer 50 PMC. Parce que 50 PMC, faut avoir de la chance et de les trouver et tout ça. Donc ça risque d'être relou en fait. Donc on verra. Mais ouais, non, ça va, c'est cool. On avance honnêtement avec Lightkeeper. Je suis très content. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Et comme d'habitude, si vous pouviez aimer la vidéo, ça aiderait énormément. Merci. Ciao, ciao! Ah, снова ты.
Отлично. Вещи достаточно редкие. Мы только начали общаться. Все будет. Я пока еще здесь. Заходи. Avant de nous quitter, pensez à regarder la description si vous êtes intéressé pour devenir membre de la chaîne. Cela vous permettra d'avoir accès à toutes les vidéos en avance, des émotes et bien entendu un badge qui me permettra de facilement voir vos messages. Si vous êtes seulement intéressé par certaines playlists, il n'y a aucun engagement. Vous pouvez tout simplement prendre un mois pour regarder toutes les vidéos réservées et annuler la souscription directement. Bien entendu, tout cela est pour avoir un revenu avec la chaîne après autant d'heures passées dessus et continuer à pouvoir vous fournir des vidéos. Merci infiniment d'avoir pris le temps de m'écouter, faites attention à vous et à la prochaine.